John from Dying Fetus. You're listening to Death Valley. This is Phil from Machine Head. You're listening to Death Valley. You're listening to Radio Death Valley. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Death Valley, voilà mission 100% métal comme tous les dimanches soirs, et nous sommes ce soir en direct live avec la guitariste de Anamnesia, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Bonsoir. Bien prononcé. Bonsoir. C'est pas évident à prononcer. C'est pas toujours facile, ouais, au début. Voilà, donc tu vas nous présenter un petit peu le groupe tout au long de la soirée, qui est un groupe que je connaissais pas forcément. Donc on va écouter quelques titres de ce 5 titres. C'est ça? Oui, j'ai ramené un petit extrait du dernier album. Ouais. Qui est sorti en 2008, si je dis pas de bêtises. Février 2008, donc j'ai ramené les titres qui représentent le mieux l'album, quoi. Voilà. Bon, on écoutera ça tout au long de la soirée dans un style, on va dire. Voilà. C'est dur à décrire, ouais, mais. C'est un peu dur à décrire, ouais. C'est, on va dire, enfin nous on dit que c'est du métal hybride, comme ça on s'emmerde pas. C'est comme c'est un mélange de métal indus, néo-métal, métal tout court, je sais pas, c'est un peu difficile à décrire, donc voilà, c'est hybride, c'est un mélange de plein de trucs. Ok, donc vous aurez l'occasion d'écouter, de découvrir ou de peut-être de confirmer vos impressions sur le groupe Anamnesia qui est un peu éparpillé, puisque toi tu es sur la région parisienne. Mais... On est très européen. Très européen, ouais. Donc toi t'es sur la région parisienne. Alors moi je suis en région parisienne, le chanteur Damien il est à Nancy. Le bassiste Christophe et la claviériste Fred sont en Belgique et le bassiste est d'origine allemande et moi je suis d'origine britannique, donc voilà, comme ça au moins c'est du melting pot. Voilà, hein? Exactement. Ok, on aura l'occasion de découvrir ce qui est le premier album d'Anamnesia, puisque non, le deuxième. C'est le deuxième, il n'y avait pas eu une démo. Alors il y a une démo, un album, un deuxième album, et là on est en train de terminer le troisième. Le troisième, ok, on aura l'occasion d'en reparler à nouveau. Voilà, Anamnesia dans Death Valley avec un premier titre issu du dernier album, n'est-ce pas? Oui. Cette fois-ci, on est bon. Cet album qui s'appelle Of Gods and Men, c'est exact. Si je ne m'abuse, voilà. Et le premier album datait de 2006, Of Hope and Ashes. Voilà, c'est ça. On est bon. Et alors, le groupe est pas très vieux. Il était créé en 2004. Voilà. Et première démo en 2005. Toi, tu as rejoint le groupe quand? Alors moi, j'ai rejoint le groupe en 2008. Donc ça fait pas très longtemps non plus. Et voilà. Je voulais juste dire que donc là, le titre qu'on a écouté, c'est Lost in Time. Qui est un titre assez long puisqu'il fait 7 ou 8 minutes, je sais plus, 7 minutes je crois. Et on en a fait une version édite plus courte, donc beaucoup plus courte, où il y a 3 minutes en moins, et qui est sur la dernière compile de French Metal, donc une compile avec 3 CD. Et voilà, on est dessus avec le titre Lost in Time. Donc il y a possibilité de se fournir, de se procurer cette compile French Metal via votre site internet, par exemple. Par exemple, notre site internet, nos MySpace, et puis bien sûr le site French Metal. Ok, donc on rappelle le groupe Anamnesia, qui est un nom pas spécialement évident, comme on en parlait. Voilà. Ça veut dire quoi, Anamnesia? Alors, Anamnesia, c'est en fait l'impossibilité ou l'incapacité à oublier. Donc, Amnesia, et Anamnesia, donc c'est qui ne peut pas oublier. Bon, voilà. Oublier quoi, là? On peut pas oublier quoi. Alors c'est après chacun interprète ça à sa sauce, quoi, mais bon, c'est un peu l'univers du groupe, c'est les souvenirs qui nous hantent, les bons souvenirs ou les mauvais souvenirs d'ailleurs, hein, ça peut être aussi bien l'un que l'autre. Donc, comment tu as découvert le groupe, toi, puisque tu es... Alors moi, j'ai découvert complètement par hasard une annonce sur un MySpace, je sais plus lequel d'ailleurs. Quand ils cherchaient un nouveau guitariste. Voilà. Donc, alors, ils cherchaient un nouveau guitariste et une nouvelle guitariste. Un ou une, nouvelle guitariste. Donc, je suis allée écouter ce qu'ils faisaient. J'ai tout de suite accroché. Et au début, je me suis dit, Nancy, quand même, c'est un peu galère. Ouais. Et puis finalement, c'est pas pour moi que c'est le plus galère, je crois, puisque maintenant, il y a deux membres du groupe qui sont en Belgique. Donc,
Donc bon, au final, on se débrouille bien. On se réunit un ou deux week-ends par mois. On répète tout le week-end. Et bon, ça avance bien comme ça, donc c'est cool. Bon, plein de groupes à présent, hein, ce travail de cette façon. Il y a plein de groupes français. Enfin, à la base, les groupes américains aussi, c'est assez courant. C'est vrai que c'est un peu moins courant en France, mais quelque part, je me dis, on se professionnalise un petit peu et, je veux dire, les groupes n'hésitent pas, les membres n'hésitent pas à se bloquer un week-end en général. C'était le cas de plein de groupes, hein, qu'on a reçus dans Death Valley. Bon, on prend l'exemple de Immolation qu'on va écouter juste après, groupe américain de death metal, où on discutait avec les guitaristes et en fait eux ils partent carrément une semaine parce que le batteur habite à 8 heures de route des autres membres, donc c'est clair que ça fait un petit peu bizarre. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre ce groupe? Les compos, le son et les compos. C'est tes racines un petit peu, ça rejoint un petit peu tes racines. Qu'est-ce que t'écoutes à la base? J'écoute pas mal de trucs, c'est assez varié en fait. Je m'intéresse à plein de styles musicaux et du coup j'ai une culture musicale assez, assez large. T'écoutes du rock, large, du métal. Mais du coup pas assez profonde dans chaque style en fait. Mm-hmm. Du coup, voilà, donc. Donc je peux passer à côté de grands classiques du métal par comme exemple. Prong. Par exemple, voilà. Parce que j'écoute plein de trucs et du coup j'approfondis pas assez chaque style peut-être, mais bon, j'aime bien écouter des trucs assez variés. Donc ouais, c'est vrai qu'Anamnesia, ça se rapproche pas mal de styles que j'aime bien, du métal indus entre autres, quoi, ou du néo-métal. Alors j'aime pas dire néo-métal parce que maintenant ça a une mauvaise réputation, c'est devenu trop commercial. Trop commercial, voilà, les gens pensent que c'est trop commercial. Moi, pour moi, néo-métal, c'est pas une insulte, au contraire, quoi. Donc c'est vrai qu'en écoutant ce premier titre, il y a quand même de grosses références à Korn, quoi. Enfin, ouais, Korn et System of a Down, je pense. Mm-hmm. Avec le côté un peu le chant un peu mélodique, voilà, un petit peu oriental parfois qu'on retrouve aussi chez System. Donc voilà, moi c'est ça qui m'a plu, quoi, les mélodies, les compos et le style de chant aussi de Damien, j'aime beaucoup parce qu'il a vachement de puissance dans la voix et il est capable de gueuler et de chanter en même temps. Alors c'est un truc qu'il fait bien marrer parce que tout le monde lui dit régulièrement: mais comment tu fais pour faire des notes en gueulant? Donc voilà, donc c'est vrai qu'il a un style de chant qui est particulier et que j'aime bien. Et avant j'ai traîné mes basques dans des petits groupes à droite à gauche, des petits groupes dans lesquels on joue quand on est ado et qui apprennent plein de trucs dans des vieilles caves pourries et où on apprend plein de trucs. Donc, où ça sent la transpiration. Ouais, voilà, c'est ça. Je vois le style. Voilà. J'ai côtoyé aussi ce type de lieu. Anamnesia, donc, on rappelle le dernier album datant de 2008, Of Gods and Men. Ouais. Et on aura l'occasion bien sûr d'en reparler tout au long de la soirée, d'écouter aussi deux autres titres de cet album, d'écouter aussi des choix musicaux de ta part et rester avec nous bien sûr l'incontournable, l'inénarrable Blind Test. Où je vais me réfamer royalement. Mais alors ça j'adore parce que alors à chaque fois tous les musiciens ils flippent à mort. Oh, mais je flippe pas parce que je sais déjà que je vais me réfamer, donc non, ça sert à rien de flipper. Faut pas être défaitiste. j'ai fait des choix un peu dans la veine, un peu dans le style Anamnesia entre guillemets, qui est pas loin. Voilà. Donc je pense qu'on va se marrer. Anamnesia, donc Of Gods and Men, on a écouté un titre, on en écoutera un deuxième et un troisième titre au long de la soirée et on fait place à Immolation.